Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour le speedrun de DuckTales sur NES. On met en difficile et je vais direct faire le niveau de la lune, qui est normalement le dernier niveau. Parce que bah, vous allez voir, il y a un glitch pas forcément évident à faire. Voilà, donc là j'attends voilà, que l'ennemi pop à gauche. Je me mets juste à côté de la tour verte là, espèce de tour verte. Et par la suite je me mets vers la gauche. Je me baisse et je me fais toucher par l'ennemi. Et voilà. Ce qui crée un magnifique glitch. Bien sûr, c'est pas du made in Oliver Plasma, hein, c'est. J'ai vu d'autres speedrunners le faire bien sûr. Je me suis même inspiré plutôt. Mais voilà. Et vous allez trouver ça bizarre, mais les musiques, ouais, vous allez trouver ça un peu étrange, la bande son là. Mais c'est normal. C'est parce que c'est la version NTSC, version américaine. Donc le son est assez aigu et puis le jeu est plus rapide. Voilà. Donc là je fais le premier niveau. Maintenant je vais faire les niveaux dans l'ordre. Ouais, j'y vais vite fait hein. Voilà, y a pas grand chose à expliquer, hein. Faut juste avoir de la skill. Là il fallait pas que je saute. Je pouvais ça passait facilement en allant direct à gauche. L'abeille va au-dessus de nous. Voilà. C'est un truc à savoir. Parce qu'avant je me faisais chier à sauter par-dessus l'abeille. Ou à me baisser donc. Voilà le pogo stick. Un petit pogo stick ici, normal. Et là, pouf, on fait popper un petit coffre qui nous permet bah, de monter là-haut. De prendre la liane cachée, entre guillemets. Là, en fait, je vous montre les meilleurs passages des niveaux. Hein. On peut pas aller plus vite. D'ailleurs, le jeu, je l'ai fini en 8 minutes 3. Attention. C'est la technique. Bon, là, j'ai fait un peu de la merde, par contre, pour battre ce boss. J'ai essayé d'être en rythme, d'être en tempo avec la musique. C'est déjà ça. Ça fait plus style. Même si je me suis fait toucher une fois. Donc voilà, là on a je sais pas combien de dollars. Voilà, ça sert à rien, c'est juste pour le scoring. Là, quelque chose de très important, je saute par-dessus la petite... comment ? La canard femelle, je ne sais plus son nom, c'est le trou de mémoire. Lily, je crois qu'il s'appelle. Je lui saute au-dessus, par-dessus pour skipper un dialogue, tout simplement. Parce que là, on voit direct, bah là, il y avait un passage secret, mais bon, on est obligé de passer par là. Ouais, ils étaient assez fourbes hein, quand même, hein. Capcom à l'époque. Là voilà le boss qui se bat plutôt assez aisément, c'est juste qu'il est un peu plus long que les autres. Le pire boss en fait c'est le boss de la souris, c'est pour ça que j'ai fait en premier en fait ce boss. Parce qu'il est complètement aléatoire ce boss. Là par exemple celui-là il est pas aléatoire, enfin ou un peu des fois on sait pas à quelle hauteur il va voler. Mais sinon il fait toujours ses attaques dans le même ordre. Il n'y en a que deux, donc voilà. Si on peut appeler ça une attaque de voler. Là, on récupère du fric. Parce que c'est Oncle Picsou, quand même, c'est pas rien. C'est un gros richou, mais il veut encore plus de pognon. Donc là, je m'en fous, je me suis fait toucher dans le niveau, dans la mine africaine. La mine africaine. Et vous avez vu qu'il y avait une clé à récupérer et donc ils nous remettent à Transylvanie en Transylvanie pour pouvoir récupérer la clé. Voilà, là on saute direct. Là je vous montre vraiment les meilleurs passages hein, encore une fois. Là je jauge avec le pogo stick hein, pour ne pas perdre de temps. Bon là j'ai eu un petit ralentissement, sachant que les ralentissements sont presque inexistants hein, sur la version NTSC quand même.
Le jeu tourne en 60 FPS. Attention. Contrairement à mon pauvre DuckTales pâle que j'ai moi sur ma NES. Ah, il souffre lui. Quand je l'ai fait, quand j'ai fait le speedrun et j'avais envie de le refaire sur ma vieille NES, j'ai remarqué la différence. Hein. Donc là, ce boss là, il y avait une technique à faire, c'est se baser sur le tempo quand il va se mettre en boboule, parce que à chaque fois, il y a un tempo à respecter. Tu vois, c'est au bout de 3 secondes, je crois, qu'il se met en boule, en gros. Peut-être un peu moins, même 2 secondes. Mais voilà. Bon, les pires ennemis de ce jeu, voilà, les voici. Les chèvres. Les chèvres lapins. Non, c'est des chèvres tout court, mais faut que de sauter. Et ça m'énerve. On voit un niveau de glace assez joli. Hein. Franchement, esthétiquement, graphiquement, c'est un très beau jeu de NES. Voilà, je fais un tech damage. Parce que, voilà. Ça sert à rien d'attendre que la boule passe. On gagne du temps en faisant ça. Sachant que le boss est vraiment simple. Là. Quand on comprend comment le battre. Le Yeti. Ouais, pour un Yeti, il est minuscule, hein, mais bon. Capcom n'avait pas réussi à faire une skin énorme sur NES. Enfin, pourtant, ils avaient réussi pour Megaman, donc je comprends pas pourquoi ils ont pas fait la même chose là-dessus. Ah, ils avaient envie de faire un Yeti miniature. D'ailleurs, c'est le même groupe qui a fait les Megaman, voilà. C'est la même société, bien sûr, mais c'est aussi le même groupe, hein, les mêmes... les mêmes développeurs, en fait, exactement. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de similitudes avec Megaman. Surtout au niveau musique aussi. Hein. Les musiques qui sont vraiment très très bonnes. C'est un petit côté Megaman là-dessus. Là voilà, on revient en Transylvanie. Et on bute le dernier boss. Le boss, the final boss. Hein. Je rigole pas. Hein. Bah oui, évidemment là on va déjà arriver au final boss. Incroyable. Mais qui est-ce? Mais qui est-ce? Mais c'est Dracula! Bel et bien évidemment. Donc alors, une technique très simple hein, contre Dracula. Même si, il est pas facile à battre. Hein, pas si facile que ça. En regardant comme ça, vous vous dites... il est hyper simple! En fait non, parce que les chauves-souris sont assez fourbes. Faut pas rester debout, sinon les chauves-souris vont aller... en hauteur, plus en hauteur. Et ça va être beaucoup plus compliqué. Pour rebondir dessus. Et déjà faire un pogo stick avant... d'atterrir sur la chauve-souris. De faire un pogo stick. Enfin, notre premier saut, c'est un pogo stick. Après, re-pogo stick sur la chauve-souris. Puis après, pogo stick sur le boss. Et voilà, c'est à partir de là que j'ai arrêté mon chronomètre. Et oui, 8 minutes 3. J'ai fini DuckTales en 8 minutes 3. C'est incroyable. Record mondial. Non, le record mondial, il doit être à 7 minutes quelque chose. Mais voilà, je suis pas loin. Je suis pas loin. Donc voilà, la fin de DuckTales, qui est incroyable. Elle est bien foutue quand même, on voit un journal. Daring Explorer Scrooge McDoug has found the 5 legends. Bon, il a trouvé les 5 légendes. Voilà. 5 trésors légendaires. Et maintenant, c'est le plus riche de Canardville. Mais quelle histoire incroyable. Mais quelle histoire émouvante. Ouais, là, ils disent qu'ils sont super contents d'avoir trouvé le trésor. Voilà. C'est vrai, les garçons, je suis un beau gosse. C'est moi qui ai tout fait. En gros, c'est ça. Et voilà, la fin, The End, avec le thème principal qui est complètement cultissime de DuckTales. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la revoyure pour... de nouvelles aventures.